Nous avons eu un échange très riche avec le Premier ministre, où nous avons parlé beaucoup aussi d'une des plus grandes richesses de votre pays, qui est la jeunesse, et des questions de formation, d'insertion professionnelle, et dans un domaine où la Suisse est également très forte, puisque la Suisse n'a pas beaucoup de richesses, si ce n'est les personnes, comme le Burkina Faso, et ses systèmes de formation. Alors aujourd'hui, il existe déjà de nombreux projets et partenariats entre la Suisse et le Burkina Faso. Nous avons eu l'occasion d'échanger de manière régulière. Votre ancien président de l'Assemblée nationale était venu au mois de mars en visite en Suisse. Votre président s'est rendu au mois d'octobre, a rencontré également la présidente de la Confédération. Et il existe beaucoup de projets amenés aussi bien par l'économie, par les organisations non gouvernementales et de coopération entre les deux pays. Et ce matin, par exemple, nous avons posé la première pierre d'un centre de formation d'André Bayala, qui est champion d'Afrique du chocolat. Et ça, c'est un projet concret qui va permettre de former des gens au métier de la bouche, au métier de la pâtisserie, du chocolat, des Burkinabés, pour qu'ils puissent ensuite développer l'accès à cet art et à ces produits ici au Burkina Faso.